Samedi, voici le marché qui a lieu tous les samedis dans la cour du restaurant Le Sherpa à Katmandou. Il s'agit d'un marché bio de producteurs qui fabriquent bio, donc des produits similaires aux produits français comme des fromages, du miel, des légumes bien sûr, du pain, des baguettes, chose rare effectivement à Katmandou. Hello. Hello. Yeah, fine, thank you. I make a video for YouTube to explain to French people what is this market, you know? That's very nice of you. Yes, thank you for your welcome. Yes. I'm take the movie after. Thank you. Thank you. Namaste. Voilà. Des légumes. Une petite quiche. Namaste, bonjour. Des produits bio. Ah, super. Fine. Encore du pain, des brioches magnifiques. Voilà le grand rendez-vous des expatriés français à Katmandou, n'est-ce pas? Et qui font une promotion des produits bio d'ailleurs au Népal et qui soutiennent la production locale. Voilà. Hello. Voilà. Ça donne envie? C'est pas du tout le genre de produit qu'on trouve. C'est pas du tout le genre de produit qu'on trouve dans les boutiques népalaises de Katmandou, sauf peut-être les momos. Voilà. Et là, ce sont des momos végétariens. Super. Voilà. Et là, c'est le rendez-vous au milieu des expatriés français qui retrouvent un bout de la France. Et qu'est-ce qui représente plus la France? Voilà, les fromages. On trouve du brie, on trouve des fromages vraiment similaires aux produits français fabriqués sur place. Super. Un master Nadi du Népal. Un très bel hôtel, un très beau restaurant. On continue la visite? Allez, c'est parti. Des sandwichs faits par le Sherpa. Waouh, c'est grand. Hello. Nice. Du fromage fabriqué par des réfugiés tibétains. De la feta. Voilà. Et un bel endroit. Tiens, on va aller faire un tour. Séquence passion. Chouette. Un joli jardin. Un peu de verdure ici. Et le marché. Voilà.